Café Gaming. Ici, on ne sert pas que du café, on parle jeux vidéo. Oh, salut à tous les amis, c'est Flo Yoshi sur la chaîne Café Gaming. Je suis accompagné avec mon copain, la Landail. Bonjour. Bonjour. Il vient pas s'enculer. Bonjour. Bonjour. Ah, en plus, ça veut rigoler. Bonjour. Et il vient en mode normal. Et aujourd'hui, on joue à Super Mario Maker. Super Mario Maker 2. Alors, ma console est en anglais. Hein. D'ailleurs, on n'entend pas le son non plus. Oui, c'est ce que c'est. Ah, on nous en un peu. Super Mario Maker 2, hein, qui est le dernier Mario Maker sorti fait par Nintendo. La suite du premier épisode sorti sur Wii U. Ce qui fait que la Wii U n'a plus aucun intérêt aujourd'hui. C'est bien, en plus tu peux jouer. Oui, on peut jouer sur l'écran titre. Alors, sur l'épisode sur Wii U non, c'est pas. Tu peux utiliser les lettres. T'avais pas mal d'easter eggs qui étaient avec les lettres du coup de Super Mario Maker, qu'ils ont complètement retiré. Ils ont retiré pas mal d'easter eggs hein, finalement dans le deuxième. Ils ont aussi, ils ont retiré aussi. Alors, un truc que je vais montrer du coup, donc appuie sur ZL. Oui, donc, bah du coup c'est en anglais, hein, mais. English made. Si tu vas dans, hop, ça c'est pour faire les mises en ligne. Non, bah, j'ai essayé d'activer au réglage parce qu'en fait, voilà, dans les réglages, donc ils sont voilà, les réglages ici. Il y a quelque chose que tu peux faire maintenant, c'est que tu peux choisir le personnage avec lequel tu joues. Ouais, tu peux jouer Luigi, Toad. Bah du coup, ça fait que, pour cette raison, je pense que c'est cette raison, ils ont dû retirer du coup les. Bah du coup les skins amiibo qui étaient dans le premier, c'est un peu dommage, hein. Le personnage est pas mal. T'avais même des BMW ouais. À cause de la collab qu'ils avaient fait sur Mario Kart 8 d'abord. Voilà. Et du coup ce que je propose, c'est qu'on va prendre des courses populaires. Alors évidemment, ce qui est bien, c'est qu'on peut customiser un petit peu son petit personnage. Son mi, ouais. Donc voilà, donc tu choisis sa tenue. J'en ai débloqué hein, par exemple. Hein. Là j'ai débloqué ça et tout. Mais voilà, je vais réutiliser ça. Frank Cap. Oh, des t-shirts, ouais. Okay. Voilà, ouais. Un petit truc. Une petite camisole, je t'aime. Par contre, l'espèce de pullover. Et t'as ouais, ça. Pas mal, ouais. Okay. Mais moi, ce que je mets, c'est ça. Donc, une tenue pour bébé parce que je trouve trop stylé. Et aussi, tu peux choisir l'animation que fait ton personnage. Genre, tu peux le laisser, tu vois, bouge comme un mini, il est comme ça. Toi, t'as tout. Il est content. Là, il est super content. Hello. Il lui dit bonjour. Hello. Là, il frit. Et celle-là, tu vois, c'est mes deux préférés, du coup, c'est bah pas, c'est Hyped. Où là, il est en train de te tabasser, si tu veux. Et celui-là, où, tu vois, il est content. Donc, on va changer pour celle-là, tu vois, ça va être rigolo. Hop. Voilà. Okay. Et donc, ce que je propose, c'est qu'on va aller... alors, t'as plusieurs choses. Donc, t'as les niveaux. T'as aussi donc là, le leaderboard, c'est un système de... de tableau ou avec les scores, mais en fait là c'est les personnes qui ont fait le plus de niveaux dans tel ou tel type, ceux qui ont le plus de points pour avoir fait des niveaux, le plus de... parce qu'on peut noter un niveau, quelque chose de nouveau. Dans l'ancien, tu pouvais juste mettre une étoile si tu avais aimé un niveau. Maintenant tu peux dire si tu as aimé un niveau ou alors tu peux dire si tu n'as pas aimé un niveau. Ce qui fait que oui, j'avais vu ouais, des tests dont tu peux mettre bien ou bof. Ouais, c'est ça. Bah du coup là c'est en anglais, c'est bou. Ou I like it. Faut savoir que si on va dans les nouveaux niveaux, il y a plein de niveaux qui n'ont pas été joués, qui ont été joués par personne. Faut savoir que un niveau ne sera pas recommandé s'il a jamais eu de cœur. Donc ça fait que là, tous ces niveaux, peut-être qu'ils ne seront jamais recommandés. Ce qui est un peu triste, mais c'est pas grave. Du coup, moi j'ai déjà joué, Flo, je te propose de faire. Voilà, le niveau le plus populaire, c'est un niveau de français. Je l'ai déjà fait. Ouais. D'ailleurs, on peut voir sur les niveaux que j'ai déjà fait, que j'ai déjà fini, on peut voir qu'il y a un petit drapeau. Et sur ceux que j'ai aimé, on peut voir qu'il y a un petit cœur. Flo, est-ce que tu as envie d'essayer le premier? Vas-y, si tu as envie d'essayer moi, le premier, ça allait en tester sur 20 secondes. Okay. 9,69% de réussite. Je te laisse. Okay. Y aller. Bon, c'est parti. De toute façon, Pokémon arme normal. Ouais, bah, classique, hein. Joystick ou flèche. Ouais, au flèche, sur un niveau 2D, c'est mieux. Flèche en 2D? Ouais. Bon, après, puis après on ira montrer un petit peu les petites nouveautés. Tu es mort. Ah ok. Sachant que là t'as pas. Ok, là c'est comme un Ninja Warrior. Ouais, faut que tu cours. Ok, ça a l'air comme un Ninja Warrior en fait. Donc. Ah fichier.
Putain, par contre, les musiques, ils changent. Il y a des musiques qui sont bizarres. Bah, du coup, ils ont ajouté des nouveaux thèmes. Ouais. Donc, t'as Koji Kondo, donc, qui est celui qui avait fait les musiques à l'époque, qui a refait donc, toutes les musiques pour tous les niveaux, différents types de niveaux. Ah merde! T'étais trop loin. Trop loin. Du coup, voilà, une nouvelle musique par Koji Kondo. Ce qui était, d'ailleurs, les musiques, il y a beaucoup de musiques qui ont été refaites en plus, parce qu'il y a en plus, donc, t'as des thèmes de neige qui ont été faits pour tous ces anciens jeux. Mais il y a aussi donc maintenant une variante de nuit pour tous les niveaux. Ce qui fait que tu peux jouer un monde, un type de jeu en jour ou en nuit. Donc faut le débloquer en posant un soleil hein, et en le transformant en lune, c'est super simple. Ah, fail. Fail. C'était ouais. Trop lent. Et ce qui est intéressant, c'est que le mode de nuit, il crée des effets un peu bizarres. Ouais, j'ai vu, il est bizarre. Bah, tu peux savoir là, peut-être à l'intérieur, soit t'es en train de flotter, soit c'est les ennemis qui flottent. Ah, le con. C'est pas ça que je voulais faire. T'as pas besoin de sauter là. Tu dois juste sauter pour taper les on-off et... De toute façon, je crois que je peux peut-être faire des lives dans C4 sur Super Maker. Ouais, parce que du coup, là, c'est le mien, mais tu avais prévu de l'acheter. Ouais, dans la semaine. Dans la semaine, je vais peut-être le prendre et essayer de faire des lives. Mais là, je crois que je conseillerais plus de faire des... Je crois que je ferai des... Bah, je ferai peut-être des lives sur Xenoblade aussi, parce que voilà... Chronicles. Hein, j'ai oublié la petite information. Et merde, j'ai failli, ouais, c'est normal. C'est pour ça que j'ai vu le truc qui s'est barré. Hein. Alors, je vais essayer de faire des let's play de Xenoblade, quoi, pourquoi pas, parce que... Comme j'ai fait le café de Colito, j'ai dit tiens, ouais, peut-être pourquoi faire des... un petit let's play, ça serait bien. Oui, il est super simple. Hop. Un des jeux préférés voilà, ces dernières années. Ah, j'ai fait gaffe, putain. Faut calculer aussi ça aussi qui est. C'est une question de réaction. C'est une question aussi de. C'est une réaction. De... Ouais, c'est un réflexe, réaction. Et aussi, aussi de mémoire musculaire. Hein. Parce que c'est un niveau que, que tu peux pas réussir du premier coup. En théorie, là, tu peux contre, le faire, hop, mais t'as pas le temps de tout prévoir. Là, il faut c'est un niveau que j'ai recommencé plusieurs fois. Hein. Ah bah là, c'est du taille and retry. Bah pourtant, c'est du taille and retry. Et pour le temps, je l'ai réussi plusieurs fois après. Mais ça, c'est vraiment un taille and retry, comme tu me dis. Là, c'est vraiment du taille and retry. Hop, tac. Hop, tac, tac. Non, putain, trop rapide. Trop rapide. C'est trop dur, je te montre. Ah, mais t'inquiète. je veux voir les gens. En vrai, qui... ça fait un petit moment. Je veux voir les abonnés me voir rager, péter des plombs, insulter le jeu. Donc je pense que je le referai pas en... Moi au départ je vais l'acheter day one. Ouais. Ah merde. Faut vraiment que tu cours. Hein. Ouais. Tous les obstacles, etc. Tout ce qui a l'air de te tuer, ça te tuera pas. Il y a le timer à côté, oui. Donc c'est pour ça aussi. T'as pas le temps de t'arrêter. Ouais, c'est times, hop. T'as 20 secondes pour faire le niveau. Ouais, 20 secondes, putain. Yes. Continue à courir. Tac. Tac, tac. Saute. Tac. Saute. 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 T'as mis le temps. Et il est juste au bout là. Putain, le drapeau. C'est le drapeau final en plus. Je suis mort plein de fois juste en touchant le drapeau parce que j'avais un morceau de seconde en fait. C'est un petit niveau sympa ça. Ah c'est bon, je m'habitue. Hop. Ah. Wow. Bravo. Oh putain. Pas mal. Ah pas mal, ah putain pas mal. Avec le Yoshi en sticker, pas mal. Ouais, t'as plein de petits stickers, voilà. Alors, exit. Et du coup... Alors, voilà. Vas-y, choisis-moi un autre... On va aller dans les niveaux que j'ai aimés, parce que... Il doit y en avoir des pas mal. Ça permet parce que... Super Mario Maker 2, c'est moins le cas que dans le premier Super Mario Maker, mais il y a quand même des niveaux qui sont complètement aléatoires, qui sont pas intéressants. Ce niveau, par exemple, j'ai juste mis un cœur parce que c'est celui d'un ami, mais sinon il est chiant. Ah, le Super Mario World, tiens, j'aimerais bien aussi, ça. Lequel? Celui de tout premier, bah celui en Super Mario World. Ouais, mais j'ai fait un niveau en Super Mario World, si tu veux. Oh. Mais voilà, on voit le niveau qu'on vient de refaire. Ça, c'est un autre ami qui l'a fait, c'est un niveau qui est très intéressant. Super Jump Land. No Jump Land, Shell Game. A savoir que du coup, dans Super Mario Maker 2, ce qu'ils ont ajouté, ce sont des conditions de victoire. Ça va pouvoir être tuer un certain nombre d'ennemis, ramasser un certain nombre de pièces, ou là... Rich ne... Ah, faut pas sauter. En fait, si tu sautes, t'as plus le droit de toucher le sol après. Ok. Donc Ah oui, c'est Super No Jump, donc c'est pas... Bah oui, t'as pas le droit de sauter. J'ai pas le droit de sauter. Enfin, tu peux appuyer sur le bouton, et si jamais une plateforme te met en l'air et que tu tombes, c'est... Bah là, t'as perdu. T'as parce que tu viens de sauter. Ok. Ah bah là... Bah, c'est aussi de toi. Ah bah c'est... Je comprends du tout. Faut que t'ailles... tu vas aller au bout de la plateforme, et t'as les pauvres qui vont commencer à bouger. Ouais.
Et là tu y vas. Tu l'attrapes, tu la, faut que tu la lances sur le panneau. Ouais, ouais. Ah, j'ai même plus comment ça. Tu peux aller en récupérer un, à gauche. Parce que je joue avec le joystick. Je joue avec le joystick. Je joue pas avec le joystick. Ah, mais j'aime pas moi les flèches directionnelles. Ah, ouais, mais. Après, bah, moi je préfère jouer avec les manettes pro quoi. Bah, tu vas sortir. On la connecte. Il va allumer ma Switch. Ah. Voilà, hop. Hop. Ça va. Là, t'as juste à attendre que t'aies ton moyen de locomotion qui vienne. Ouais, bon. Ça, du coup, c'est une personne que je connais qui l'a fait. C'est un super niveau, c'est un des meilleurs niveaux qu'elle j'ai joué. Putain. Honnêtement, il est génial. Hop. Alors là. Merde! Vas-y, va rechercher, va rechercher. Vas-y, descends là. Hop. Parce que. Hop. Bah, c'est fini. D'accord, c'est fini là. Ouais. Si t'arrêtes en dessous. Mais faut que t'attendes. T'attends juste que le petit bloc il soit sorti. Hop. Et hop, tu pourras y aller. Ouais, et voilà, tu es mort. Je suis mort. Ah putain. Ah ouais. Hop. Je suis mort. Je suis mort plein de fois comme ça. J'ai pas arrêté de mourir comme ça. Ah putain. En plus, c'est avec la musique ouais, Mario 64 là. Oui, c'est la course contre le pingouin dans Mario 64. Ouais. Oh, c'est dans le bonus aussi. Oui, aussi dans le bonus. Le bonus niveau secrète. Dans la. Oui. La descente. D'ailleurs, tu l'avais découvert comment toi ce niveau? Mario 64 le niveau bonus. Parce que du coup, dans Mario 64, il y a un petit niveau bonus où on va dans le château. Dis-toi que le Mario. Et il faut rentrer dans un vitrail en fait. Tu sautes espèce avec de vitrail. Comment est-ce que tu as découvert? Je sais pas, par curiosité. Bah, moi du coup, je me souviens encore. J'avais pas joué à ce jeu sur la version Nintendo 64, mais sur la version 64 DS. Ce qui ouais, fait bah, que même. Sur la version 64, dans cette salle, il n'y a rien. Merde. Donc naturellement, tu vas avoir envie d'essayer quelque chose. Dans 64DS, c'est pas le cas. Et je me souviens, j'avais juste vu un vitrail et je voulais que Mario fasse un bisou à Peach. Et je me suis retrouvé dans un niveau spécial, j'ai pas compris. Pourquoi? Tu es mort. Je sais, j'ai appuyé sur l'Y en même temps pour courir comme un taré. Tu veux que je te fasse au début? Ouais. Donc du coup j'ai déjà fini moi. Ah putain ouais. À un moment j'avais le record de vitesse mais je l'ai plus. Et là à un moment là je cours. Hop, là hop, on est bien d'accord. Si ouais. tu veux, appuie sur le bouton du bas. Hop, tu l'as mis. Ah pas bête. Pas bête. Je danse. Tu veux appuyer sur le bouton du haut aussi pour regarder en haut. Ouais je sais. Il manquerait plus qu'une musique en arrière-plan. Bah il y en a une. Non mais ah oui merde. Non mais je voulais faire une petite musique en arrière-plan mais bon si maintenant les musiques de copyright, la plupart sont copyrightées maintenant. Bah oui bah faut prendre les musiques sans copyright. Oui bah sans copyright mais maintenant après ils viennent copyrighter. Bah faut prendre un bon endroit. C'est bien. Ah oui par contre là oui. Il va falloir que tu montes. Il va que je monte, mais sans sauter, voilà. Ouais, tu n'as pas le droit de sauter. Et là boum. Ouais, il va falloir que tu redescendes. Et là il faut que je me mène le cul. Non mais à droite. À droite. Voilà. Mais pourquoi? Parce que t'es tombé de la plateforme, donc c'est comme si t'avais sauté. Ah d'accord bah, monsieur. Bah vas-y si tu regardes la fin du niveau. Là t'as tout ça à faire. Putain les trucs de compte. What? Vas-y on va des. Du coup ça sert à rien. Ah t'as un mec avec un seul équipe pleure. Ouais, c'est triste. Triste. Oh putain merde. Non! Non je peux pas! Alors va désactiver. Je vais désactiver les bon vas-y je compte. Bah, pas besoin de désactiver les commentaires, moi je connais tout. T'as vu, j'ai pas arrêté de mourir comme ça, moi. même après avoir réussi je crois qu'on va, première fois, j'arrêtais pas. On va pas quitter, hein. On va prendre tout ça en direct. Hein. Ah. Y'a pas de soucis. Je crois que la vidéo va être longue, les gens vont pas aimer. Hein. Les vidéos longues, je sais que ça va pas aimer des gens. Ah. Mais c'est chiant les vidéos longues. Hein. Ouais, je sais, mais ça va pas aimer. Ouais putain, là je suis pas de forme machin. Oh oh. Ah oui c'est vrai que... Les strats, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est bien ça. Putain c'est chaud. Mais de toute façon, là c'est tranquille, tu peux pas l'avoir au premier mouvement. Oh non, il ne reste que 100 secondes. Oh là 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 là. Go go go. Ouais, franchement, ouais, faire un live dessus, ça serait bien. Mais c'est un très bon jeu. Ça serait un très bon jeu. Tu peux
peux aussi faire des lives soit juste en jouant à des niveaux comme ça. Ouais, ouais, c'est ce que je fais. Soit en créant des niveaux. Créer des niveaux, c'est plus sympa de le faire sur la tablette. Mais là, faut pas descendre là, parce que sinon tu meurs. Mais c'est plus sympa de le faire sur la tablette, mais du coup, ça. Ah. Hey, quelle erreur! Alors qu'on est. On est juste avant la fin du niveau en plus. Putain, quand même. Et c'est compliqué, mais c'est un niveau qui est extrêmement ingénieux. Pour faire un niveau dans Mario Maker, le plus simple pour faire un bon niveau, c'est de garder quelques éléments de gameplay, prendre quelques ennemis ou quelques blocs, et construire autour. Et là, ce qu'il a fait du coup, le créateur du niveau, c'est qu'il a fait exactement ça. Ce qui fait que t'as une mécanique qui t'accompagne tout le long du niveau, et la mécanique elle devient de plus en plus compliquée. T'as un seul ennemi, t'as un seul élément avec lequel tu peux interagir, c'est la carapace. Et grâce à cet élément, tu vas interagir avec les boutons on-off. Et t'as le truc qui bouge en dessous. C'est un super niveau. Enfin, moi, je l'adore. Non, 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 non. Bon, bah. Je sais pas. Ça, j'ai jamais manqué ça. Donc, je sais pas si c'est encore faisable. C'est. Quelle erreur! Bon, allez, on va peut-être. Sinon, au pire, on change de niveau après. Ouais, on fait un dernier essai. Fait une dernière, pour bah, si, même si jamais après on rate, j'irai montrer la fin. Parce que de toute façon, il y a quasiment plus rien. Hein. Mais vraiment à la fin du niveau. C'est un niveau qui est assez court. Mais en même temps, un niveau comme ça en plus long, ce serait. Bah, faudrait qu'il y ait un checkpoint au milieu, parce que sinon, ce serait vraiment pas amusant. Voilà, mais d'ailleurs, là, on est dans le mode de nuit de Super Mario World. Et de mémoire, dans le mode de nuit de Super Mario World, les blocs, tous les blocs, ils agissent comme de, ils glissent comme de la glace. Ce qui fait que finalement, il aurait pas. Je crois qu'il aurait pas eu besoin de mettre des blocs de glace. Bon bah, on l'a raté. Bon. Pas grave. Vous ferez le niveau même parce que c'est un niveau qui est génial. Vous avez le code ici. Hein. MN4G2G. Attention, je noterai. TFG. Voilà. Mais du coup, ce que je vais te proposer, Flo, c'est. J'ai fait un seul niveau dans Mario Maker. Je vais te proposer de le faire. Alors, c'est les Sanctuary céleste où tu dois aller chercher. Alors, il a 2,75% de réussite. Il n'y a que 3 personnes qui ont réussi à le finir. D'ailleurs, tant qu'on est là, je propose de regarder. On peut voir donc où les gens sont morts. Donc dans le niveau. C'est bien ça. Ce qui, ça te donnera un avantage, tu vois, avant de regarder. On fera pas sur tout le niveau. Voilà, ça te permet de voir un peu où les gens sont morts. Donc on voit que là, il y en a qui sont morts. Mais du coup, on va pas te montrer parce que je te laisserai découvrir le niveau. Pas le spoil, ouais. Voilà. Pas le spoil. Ok. Et plus d'informations, là, on peut voir du coup toutes les personnes qui ont fini le niveau. Ouais. Bah, toutes les personnes qui ont essayé. Hop, donc voilà, tous ces gens. Putain. Et on peut trier, voilà. Okay. Là, il y a que les gens qui ont réussi. Donc il y a 2 personnes que je connais. D'ailleurs, lui, HP Rider, il a fait le niveau. Il a réussi à passer complètement à côté de toutes les mécaniques que j'ai mis parce que j'ai pas fait attention. Il y a des choses auxquelles j'ai pas fait attention, donc il a réussi à tout détruire. Mais du coup, c'est une manière de finir le niveau qui est très intéressante. Je sais pas si j'arriverai à la faire. Et cette personne que je connais pas. Et on peut voir aussi qui a mis des cœurs. C'est très intéressant. Mec, d'accord, voilà. On va tester ça. Et donc, Flo, je vais tester. Ouais. Donc, c'est les sangs. Faudra que tu regardes bien. Je dirai rien les premières fois, mais si jamais je vois que tu galères pour que ce soit plus rapide, je te dirai. Ok. Donc. Ah. Un niveau énigme. Ah ouais, c'est énigme. Ok. Ah bah là je me suis fait avoir là. Mais tu peux encore te sortir en fait. Bon allez, il faut Parce que ça désactive. Ok. Donc, si je dis pas de conneries. En plus avec la musique des thèmes de Noël. On n'est pas Noël là les enfants. Oh. Qu'est-ce que tu viens de faire? Quoi? C'est. Regarde. Hop, tu viens de le résoudre le dernier. Oh merde. Quelle erreur. Oh merde. T'as une manière de résoudre le niveau. Qui est de la manière la plus simple, c'est comme ce que t'allais faire là. Mais en fait, regarde Flo, regarde ici. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ouais, ouais, il y a écrit quoi? 3 avec une flèche vers le haut. T'as le droit de sauter que 3 fois. Ouais. Prêt.
avec la vitesse mécanique. Donc si je saute, ouais, et ça là, active en le fait, truc. En sautant la troisième fois, ça te permet d'avoir le mécanique. En fait, ça te permet de jouer de manière facile. Parce que c'est pas quelque chose que j'ai corrigé. Mais. Mais non, mais. Bah, du coup, là, t'es mort. Donc, yeah ton but, c'est. T'as trois sauts et ton but, t'as c'est trois de sortir sauts de la salle. Ouais, descendre là, ouais. Donc là, je sors la première. Donc, ouais. Regarde, en fait, quand tu sautes, t'as les petits trucs là, les embranchements qui vont bouger. Ouais. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que. Bah, du coup, je te le dis, mais il faut que t'attendes que le pas où il arrive juste avant pour sauter et qu'il aille dans la suite. Par exemple, saute, trop tard. Ok, ouais. C'est bon. En fait, le saut, c'est un mécanique, en fait. Oui, en fait. Si tu veux, je te. Merde, du coup, j'ai trop. Ok. Si tu veux, je te montrerai un petit peu la machine au-dessus. Ok. C'est une machine que j'ai. Il y a un gros youtubeur sur la technique, un petit peu les machines dans Mario Maker qui s'appelle Steve Gaming, qui est un anglophone. Non, j'ai raté. Okay, c'est pas grave, si tu ressautes une troisième fois, là, ne saute plus. Et là, tu attends. Voilà, donc ce Steve, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donc fait une machine en fait qui permet de compter le nombre de fois une personne saute. C'est une machine qui ne marche pas donc dans le thème Super Mario World. Sauf que c'est mon thème préféré, il est super beau. Là, faut plus que tu sautes, sinon tu vas mourir. Là, tu t'es fait écraser. Faut prendre le bloc. Je saute. Mais non, mais tu peux. C'est un objet, tu peux l'attraper comme ah, une oui, carapace. Ah oui, c'est vrai, avec Mario World, c'est vrai. Hop, allez. Merde. Non, c'est faut sauter un peu. Faut pas sauter trop tôt, sinon ça rebouge. Sauf pour le troisième. Qui est une erreur dont je viens de me rendre compte, je l'avais pas vu avant. Bah, saute une troisième fois. Je m'étais pas rendu compte que j'avais pas protégé contre cette mécanique là. Donc là, t'as pas besoin de faire le puzzle en fait. Donc je viens de découvrir. Je découvre aussi des erreurs dans mes niveaux. C'est très important de. C'est le seul niveau que j'ai uploadé. Ouais, c'est donc seul là, après il va être en bas. Donc, j'ai pas encore d'expérience. Je vais prendre avec le Y. Là, tu le prends avec le Y. Et là, tu le lances. Là, tu vas là. Et tu appuies sur le bouton du bas. Et tu le laisses appuyer. Oui, en mode bah, voilà, balance. Laisse appuyer. Là, tu c'est bon, t'as plus rien à faire. J'ai raté quelque chose là? Ouais. Ah, j'ai raté. Faut pas que tu bouges. Fallait pas que je bouge? Faut pas que tu bouges parce que. Je sais pas si t'as vu, mais il y a une carapace qui descend en même temps que toi. Ton but c'est de l'avoir sur la tête. Ouais, saute trois fois. Ouais. Oh, tu vas bien réussir. Saute une troisième fois et attends que ça passe. C'est pas très fun, mais du coup, je propose qu'on comble. Ouais! On va combler. Tu veux dire en mode vitesse rapide là? Ouais, en speed. Mais oui, du coup, ce niveau là, vous êtes en train de voir la solution du niveau. Il faudrait jouer et donner une super étoile. Donc là, tu appuies sur le bouton du bas pour glisser. Tu glisses bas. Ton but c'est, voilà, dès que tu glisses plus, t'en as plus rien à faire. Que tu le mettes ou pas, ça change rien, mais ne bouge plus. Et là, tu as quelque chose sur la tête. Ouais. Et donc? Bah vas-y, essaye de passer en dessous de la plante. Et là, hop. Je touche l'étoile. En général, si tu vas assez vite, l'étoile, tu la prends pas. Si tu prends ton temps, faut monter. Mais voilà. Eskimber. Ton but, c'est de monter. Donc l'étoile, c'est un... Voilà. Donc ton but, c'est de monter. Ah, par contre, oh shit. Ah! Par contre, là, j'ai une clé. Alors là, il y a encore une erreur dans mon niveau. Et il y a un petit souci. Voilà. Prends la cape. Parce que la cape, en fait, elle ne reviendra pas. Et ça, c'est une erreur dont on m'a parlé après que j'ai fait le niveau. Et sinon, ce serait pas dedans. Ça Tu peux peut-être passer en. Si jamais tu crouches, mais. Ouais. Bah, dans tous les cas, ton casque là il servait plus à rien. Ce qui est important là, c'est de pas perdre la carte. Le petit truc à pic, ça permet d'avoir la vraie fin entre guillemets. Mais que personne a eu, hein. Donc. Oh! Bah, tu l'as tué, mais t'as aussi tué la. T'as aussi tué du coup le petit truc secret. Oh, shit! Donc, ça c'est bien fait. Mais bon. Mais regarde l'arrière-plan. Oh, tu m'envoies un message.
L'arrière-plan, ouais. Regarde, il y a un truc à droite. Ouais, là. Bah ton but c'est de monter là. Donc faut que tu prennes de l'élan. T'as pas besoin de. T'as pas besoin de. Du petit ressort. Merde. Hop. Faut que t'appuies plusieurs fois sur B pour monter. Ça te permet de voler avec la cape. T'y arrives pas? Ah ouais, j'y arrive pas. Tu veux que je fasse? Attends, eh oh, c'est ton niveau. C'est ton niveau. Mais gros mec, j'ai même pas fini Super Mario World, j'avoue. Mais comment ça se fait que t'arrives pas à monter? J'ai pas fini Super Mario World, j'avoue, je dis la vérité, mec. Non mais j'essaie de prendre l'élan, ouais. C'est... Putain, presque. Tu attends quand il met les mains sur le côté, sur le sol, ensuite t'as plus qu'à à spammer B. Mais il faut que tu cours à peu près toute la longueur. Enfin, un peu moins. Vas-y. Ouais. Cours, il te reste moins de 100 secondes. Voilà. Ah. Et là, il va falloir que tu montes sur les canons. What? J'ai rendu le truc un peu plus facile pour que ce soit plus simple à faire, mais... Ouais. Faut, ton but, c'est de rebondir sur les boulets de canon. Retourne sur la plateforme. Il faut que tu laisses B appuyer, comme ça tu sauteras plus haut. What the shit? Faut que tu laisses le bouton de saut appuyer parce que sinon là tu les fais tous à la suite. Mais voilà, parce que là ça te permet de prendre plus de temps. Faut pas que tu commences par celui. Commence par celui qui est plus en haut. Donc tu attends qu'il monte un peu. Et... Ah! Et là t'as perdu la cape. Et là c'est un gros défaut de mon niveau. Putain! La cape ne reviendra pas. Bon bah on va recommencer. Ouais. Mais attends, si tu veux, je te ramène jusque là. Hop, vas-y. Écoute, c'est qui là? Du coup là, j'en profitais pour prendre le petit truc à... Voilà, le truc à pic. Chouk à pic. Donc, ah, fallait pas prendre la pique. Ouais, ok, fallait là. Pas. Et ensuite, ton but, ça va être de ressortir. Alors, la méthode la plus simple pour ressortir, c'est ça. J'ai mis le ressort au cas où, parce que c'est plus garanti. Et tu risques, là, avec la méthode que j'ai faite, tu risques de te bloquer et de mourir. Faut pas mettre le truc à pic avant, parce que sinon, tu peux pas prendre ta petite plume. Hop, et là, tu peux mettre ça. Et là, la différence, c'est que si jamais je cours en dessous, hop, ça va tuer les méchants. Nice. Et donc, c'est important, parce que ça peut aussi casser des blocs. Hop. Donc je dois rester bien appuyé. Tu restes appuyé sur B. Donc là, hop. Non. Bah si. Je suis resté sur B appuyé. Hein. Bah oui. Et il faut que tu ailles de boule en boule. Ah, d'accord. Donc retourne sur le côté, attends qu'elle monte un peu. Et hop. Hop. C'est une version un peu simple. Hein. J'ai mis du coup des trucs de sécurité. Wow. Donc là, t'es un méchant, il est pas dur. Mais je vois c'est lequel celui-là. C'est Bom Bom. C'est Bom Bom. Hop. Non, il a rien de spécial. Il a rien, lui je crois que c'est 3 ou 4 rouges, quoi. C'est 3, ouais. Comme tous. Et là, du coup, comme t'as le petit truc à pic, tu vas pouvoir prendre la sortie spéciale, la vraie fin, en cassant ça. Et les gens, quand ils ont vu la vraie fin, là, personne l'a vu. Okay. Je suis le seul à avoir vu. Voilà. C'est juste une récompense au joueur. Et t'as un petit pow, comme ça tu peux faire tomber les pièces. Et tu prends tout. Voilà, hop. Ouais, pourquoi pas faire en live, tiens. On le fera peut-être en live. Je le ferai en live. Mario Maker, mais c'est génial. Je ferai d'autres niveaux qui seront mieux faits que celui-là. Là, voilà. Ce qui est intéressant dans ce niveau, c'est pas du tout ce qu'on a regardé. C'est... Honnêtement, j'ai aucune idée de comment faire un bon niveau dans Mario Maker. Je sais même pas du tout à combien de minutes on est. Hein. C'est, y a pas de chrono. Ouais. Ok, voilà. Bah ouais, franchement... Ah, mais du coup, j'ai juste montré rapidement. Hein. On va pas passer par l'éditeur parce que ça prend trop de temps. On fera de l'éditeur après pour montrer... très rapidement, mais voilà. En gros, bon, ça c'est hors de l'écran, donc normalement tu le vois pas. Ouais. En vrai, en sautant, ce que j'ai vu, c'est que ce qu'on m'a montré, c'est qu'en fait tu peux monter sur cette petite vigne, enfin, sur ce lierre ici, et ça te permet du coup de monter au-dessus. Parce que celui-là, c'est le seul lierre qui est trop bas. Donc c'est tant pis pour moi. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a une personne qui est morte ici. Mais en gros, ici, il y a une machine qui, à chaque fois que tu vas sauter,
t'as les fonds qui vont taper sur le bouton on off. Ce qui fait que ça va changer. Donc ce bloc, il va disparaître. Ce qui fait que la carapace va aller ici, elle va taper là. Ensuite, elle va pouvoir revenir ici. Donc ça fait qu'elle pourra aller de plus en plus loin. Puis à la fin, elle attendra là. Ok. Et dès qu'elle tapera ce petit bloc, t'as un petit bouton P, un P switch qui va sortir. Le petit truc noir, en anglais c'est un muncher, je sais pas, je connais pas le mot en français. Mais ça, ça appuie sur les boutons. Et du coup, comme le sol il est fait en bloc qui se transforme en pièces, ça fait que tu meurs. Donc là, t'as eu pas mal de. Il y a des gens qui sont morts ici. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont morts, qui sont pas allés plus loin parce qu'ils ne comprenaient pas. Ok. Mais il y en a quelques quand même qui sont morts après. Mais du coup, voilà. Alors, on va. Oh, ça va peut-être une deal dernière parce que je sais même pas combien de niveaux. Un petit dernier niveau. Finalement, l'éditeur, tu pourras le montrer en live. N'hésitez pas du coup à regarder les lives de la chaîne. Hein. Ils sont géniaux, c'est les meilleurs. Et il y aura du coup du super live Mario Maker. Sachant que du coup, tu pourras avoir plus de types de niveaux de Mario Maker. Parce que là, il y a des niveaux de mini-jeux. Par exemple, celui-là, là, table tennis, tennis de table, ping-pong. C'est un petit mini-jeu, etc. Mais il y a plein de petits mini-jeux. Tennis, Super Maker. Et du coup, en dernier niveau, ce que je propose, c'est qu'on fasse pas un truc comme ça, mais c'est qu'on aille faire une course en versus. Ce qui fait que t'es contre d'autres. On est à 4 sur le même niveau, on est contre d'autres personnes, et le but c'est d'être le premier à arriver à la fin. Ça te dit? Si on retrouve les personnes, allez, on y va. Et c'est bah, c'est parti. Là, ça sera un petit peu compliqué. J'ai pas énormément joué. Mais de toute façon, c'est rapide. Mais j'ai pas du coup j'ai pas beaucoup de points, donc les personnes en face sont pas très fortes. Mais en vrai, t'as moyen de mourir assez facilement. Parfois ça arrive pas à trouver, puis après ça trouve d'un coup. Donc, hop, voir nos ennemis. C'est Biofi, Number One Boss et Emerald. Et nous on sera Todd du coup. Hein. Pourquoi il est stylé son polo avec Mario One? Ouais, enfin le mien est beaucoup mieux. Le tenue de bébé est beaucoup mieux. Alors là au début on commence, on est enfermé dans une petite zone, ce qui fait qu'on peut pas sortir. Et donc ça fait que tu peux pas commencer avant les autres. Ok. S'il y a du. Il n'y a pas l'air d'avoir de lag, ce qui est bien, mais si quelqu'un a une connexion qui est trop lente, ben on a du lag et c'est pas confortable. Ah ouais. Bon, si tu meurs, tu repop au début du niveau, mais ça te pénalise. Parce que du coup, tu auras attendu et les autres ont pris de l'avance. Oui, après, t'as l'espèce de cop un peu là. Il est un peu lent, je l'ai. Là, c'est un gros souci de mind shift. Après, c'est normal, c'est aussi le début du jeu, quoi. C'est une question de. Ça fait aussi ça sur Smash Bros, par exemple. Nintendo, leur online est clairement pas ouf. Hein. Heureusement qu'ils coûtent. Après, niveau prix du online, franchement, je préfère mettre 20 balles que 60 balles de PSN. Quoi. Ouais, puis tu le payes en famille, c'est moins cher. Ah, le famille, j'ai pas de. Bah, moi, j'ai fait ça. Ah, tiens, un boss. Ouais, faut le battre. Apparemment. J'ai jamais fait ce niveau. Hein. Par contre, je suis le premier là ou. Faut croire. Non, il y a quelqu'un qui est loin. Merde, fais chier. Est-ce que tu vas crever? Ouais, mais il a rien donné. Rien donné, je suis pas sûr. Donc faut croire que. Ouais, non, fallait vraiment le temps là. Ouais, mais il fallait le battre, sinon tu passerais pas. Non, tu peux pas bloquer normalement les tuyaux. Par contre, c'est vrai qu'avec le lag. Ouais, c'est. Et encore, j'ai vu clairement pire. Ouais. Mais c'est clairement pas. Mais Mario, du coup, d'ailleurs, premier. Ouais. Et nous, on aime pas Mario parce que. Et je crois qu'on est deuxième. Oh, hop. Oui, on est deuxième là. Tu es deuxième. Oh, ouais, bah, attends, bah, ah ouais, je suis. Bah, vas-y. Ouais, c'est pas terrible. Ouais, c'est pas ouf. Ouais, doit y avoir un truc sympa, genre une étoile derrière, mais faut sauter au-dessus. Ah, c'est du one-up. Ah, c'est one-up, ça ne sert à rien. Les one-up, c'est intéressant quand tu fais des niveaux. Quand tu fais des niveaux. Hein. Et tu peux en récupérer que 3 maximum par niveau des one-up de toute façon. Un truc que je te laisserai montrer. Ah, bah, ça sert à rien que de prendre. Niveau, ça, c'est un niveau par exemple qui est pas génial. Donc. Ça se voit. Il te donne. Tu peux aller chercher un power-up secret, sauf que le power-up secret sert à rien. C'était la fin de niveau. Vas-y. Tu peux quand même y aller, Et ça fait perdre moins de points. Faut aussi faire la même, mais en coop. Enfin, ça, c'était pas le niveau le plus intéressant. Et les autres se sont réveillés là, ils sont perdus là. Ouais, les autres ont perdu, ils perdront plus de points au classement. Mais nous, on a perdu, on devrait peut-être. Un ou deux points. Genre, alors, je peux mettre une note. Mais la kit. Ouais, franchement, il était génial. Moi bon, j'aurais pas mis ça. Moi j'aurais mis. Eh bon, c'est moi qui ai le manette. Ouais. Il était pas super intéressant. Mais bon. Voilà, là bon, j'ai perdu. Ok, points. Là t'as des espèces de. Tu commences à D avec 0 points. Ok. On va peut-être continuer, après on se dit dernier et après on s'arrête là. Moi, bon, enfin, franchement, j'en ferais peut-être aussi des trucs comme ça. Ça serait bien aussi. Mais n'hésitez pas à regarder du coup. Hein, parce qu'il fera
plein de choses. Et aussi, dans une prochaine mise à jour, ils vont ajouter le fait de pouvoir jouer entre amis sur ce genre oui, de jeu. Oui, parce que là, ce n'est pas... Oui, c'est pas encore possible. C'est possible. Et quand ça a été su, t'as les fans qui étaient pas contents, qu'on tous... Oui, parce que pour la création, avec un genre que tu connais pas, quoi. Oui, bah ça fait que... Ça, c'est vraiment, voilà. Et du coup, dans pas trop longtemps, on sait pas, on n'a pas de date, mais dans pas trop longtemps, on va pouvoir avoir la possibilité de jouer avec des amis. Ce qui fait que tu pourras jouer avec tes autres amis, avec la Switch. Par exemple, on pourrait jouer ensemble, et je pourrais te détruire. Tu pourras le détruire facilement. Parce, oui, mais... Faire un niveau coopératif, ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Bah tu peux faire un niveau en coop aussi. Hein. Ouais, mais bon, c'est avec amis ou sans amis, là. Bah, ce sera pareil, sera en mise à jour. Ouais, ça sera en mise à jour. Parce que je sais que là tu peux faire des je crois que tu peux faire des créations mais avec un joueur que tu connais pas. Tu peux créer un niveau en coop avec une autre personne, ouais, voilà. Mais tu crées à deux sur le même écran et c'est en local. Bon parfois pour X raison il arrive pas à trouver des joueurs alors qu'il y en a. Bon là il a réussi. Mythe c'est pas chiant. Alors Apocaf, ça sera. Et Broadbelt. Là on sera Toadette. D'ailleurs Toadette qui a remplacé le Toad Jaune qu'on a vu pendant ouais. Notamment bon, sur ouais. Sweet. Ce qui est dommage, parce que moi je l'aimais beaucoup. Ouais, parce qu'ils ont mis sur le Wii le brosse de luxe sur Switch. Donc, Toadette se transforme en Pichette. Oui, mais je sais pas si elle se transforme. Non, il n'y a pas la couronne. Là, nous sommes dans un, je crois que c'est dans un niveau de 3D World. Ah, tu peux attraper les autres ennemis, t'as des personnes qui sont clairement pas. C'en est où ? J'ai l'impression d'avoir peut-être déjà fait. Hein. Ah, oui, j'ai déjà joué sur ce niveau. Apparemment du coup les niveaux il n'y en a pas tant que ça qui sont bien notés en multijoueur. Alors, c'est un système de tag que tu mets sur les niveaux qui permet d'avoir un multijoueur. Faut que t'ailles voilà comme ça au coup. Et ça du coup là c'est le mode New Super Mario Bros. Ouais. Et donc là la différence c'est que là c'est 3D World. Ouais, 3D World ouais. Et on voit par exemple que les blocs ils ont il y a une forme de perso. Oh par contre il a enlevé un bloc le mec. Ouais, il a niqué le game. C'est pas grave il est. Dans tous les cas, ça réapparaît après un peu de temps. Okay. Mais c'est un mode de jeu qui est un peu spécial. Il y a moins d'objets dans ce mode. Il y a des objets en plus, comme là, par exemple la petite voiture avec un Koopa dedans. Mais c'est bâtard. Merci Mario, vas-y. Fais une attaque rodéo. Et quand? Appuie sur le bouton du bas. Je sais pas moi. Non, mais comme ça il serait mort. Je sais pas du tout moi. Ah tiens, casse-toi. Vous êtes pas bon. Ah, je suis pas bon. Okay, les techniques du nouveau voilà. Mario, je connais pas moi. Mais généralement, j'ai généralement pas autant de parties qui lag. Faut que tu prennes avant lui parce que sinon tu pourras pas le prendre. Parce que j'ai essayé avec les flèches directionnelles. Par contre, c'est quoi l'attaque Bah, y'a Broadbell qui a réussi. L'attaque du chien, là, je sais pas du tout moi. Ah bah il a réussi. Ouais, bon bah ouais. Voilà, on a perdu, donc Je pense qu'il y a rien pour rattraper le niveau. Ah ouais, vas-y, je vais dire ça, vite, je perds. Vite fait, et après on s'arrête un petit, là. Ouais, un petit dernier heure, ça. T'inquiète pas, j'ai fini en 2 secondes. On s'arrête là. Ouf, il était beau au fond. Ouais, c'est beau. Il était beau au fond. Il était beau, hein. Mais j'ai déjà fait ce niveau, je l'avais pas aimé. Alors que j'étais allé beaucoup plus loin du coup dans le niveau, il était clairement pas fou. C'est beau au fond. Voilà. Très très beau. Ouais, en plus tu perds des points. Ouais, mais ça change rien. C'est un peu comme Mario Kart en fait. J'ai 1274 points. Hop, on va continuer à jouer. Faire un petit niveau. Trouver des joueurs pour le multijoueur. Pas en coopération du coup, mais en compétition. Le multijoueur. Ouais, c'est vrai que... Multijoueur en version. Mais dans le live, j'essaierai de découvrir aussi le solo parce que ça serait. Mais c'est un jeu qui est très bien en live. Oui, le solo, tu vois. Le solo, moi, il me reste quelques niveaux à faire, mais sinon, je l'ai fait à 100%. Parce que j'aimerais découvrir le solo de mon côté. Ouais, bah tu le feras. Oui, le solo est très sympa. Toadette encore. Il est un peu. Bah, c'est pas un vrai jeu, c'est pas un jeu entier. Donc, mais il se fait assez rapidement, mais il est très sympa. Et t'as des petits secrets à découvrir. Ah, là nous sommes sur du Mario classique. The First Passing Gold. Faut pas toucher. S'il y a un mec qui touche l'épée Switch. Ah ah, ah 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 ok. Ok, le truc de bâtard. Bah oui. Ok. Là, j'ai rappelé dessus. Ok, ok, le truc d'enfoiré. Et le souci dans ce genre de ce niveau, c'est qu'ils sont pas bons du tout en multijoueur. Ils sont clairement pas fun. Puis en plus, là, on a un petit. La connexion qui fait des trucs pas fous. Ouais, la connexion qui. Par contre, c'est le moment. Tu peux. Ah ouais, ok. Mais là, on va clairement pas pouvoir. Hein. Ah putain, les mecs. Décalé. Oui.
Oula, 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 oui, c'est bon. En c'est fait, bon. C'est le niveau 1-1, mais t'as pas le droit de toucher le sol. Quoi. Ouais. J'ai mis envie d'appuyer pour qu'il me. Vas-y. Chut, non, mais voilà, on va finir le niveau. Oh, pas mal, GG. Attends, on va. Vas-y, vas-y. Non. Dans le premier animateur, ah, putain. Tu pouvais ressauter, mais ils ont changé le timing de ce genre de choses. Oh là là, bah, là, t'es dans la merde, t'es dernier là. T'inquiète pas. Non, il y en a juste un seul, ok. Voilà. J'aurais pas dû faire le malin. T'aurais pas dû faire le malin. Pas mal. Ça aurait pu être moi si j'avais pas fait le malin. Ah là là, t'as la plombe d'excuses. Voilà. Bah, ça vous apprendra, faites pas le malin. Mais c'est un jeu qui est très intéressant en live parce que c'est aussi les réactions du chat, on dirait qu'il vient d'ajouter. Bah, je sais que là il y a pas mal de gens comme. Je suis plus dans le monde anglophone, hein, comme ma Switch en anglais. Après, il y a pas mal de youtubeurs américains qui font aussi. Bah oui, mais DGR. Par exemple, t'as aussi un gars qui fait plus du speedrun de base, qui a aussi fait un peu de Mario Maker, qui est très sympa, il s'appelle Clint Stevens, j'adore son contenu, mais après, bah du coup, DGR et Clint Stevens, ça c'est du contenu en anglais, donc c'est pas... Ok, bon bah voilà quoi, c'est... Voilà. On peut, ouais, donc Mario Maker... Mario Maker, super jeu, voilà. Des petits tutos et tout, après tu découvriras, ouais, bah, je te laisserai découvrir. Course Maker, Course Bot, Course World... Petit niveau là, voilà. Donc voilà, avec un petit Mario 3 en arrière-plan, ça fait du vraiment génial. Mario que j'aime pas trop. Ouais. Moi je suis même pas fini, donc je le dis tout de suite, j'ai même pas fini. Ouais. Et voilà. J'ai pas fini sur les Mario non plus, ça m'intéresse pas tous. Okay. Mais celui-là j'ai fini. Oui, celui-là je l'avais fini. Émulation. Non, je l'ai fini dans la. Oui, dans la. Dans la collection. J'ai la collection. Sur SNES. Oui, le. Oui. All-Star. Ouais. All-Star, avec le Mario Deluxe Levels. Parce qu'ils ont pas sorti le 2. C'est parce ça. Qu'il était trop dur en même temps. Il est beaucoup plus dur. Ouais, très très dur. Donc voilà, donc sur ce, les amis, va bah, mettre un petit like. Voilà. Pensez à un petit commentaire. Ça sera bien aussi, ça sera plus grand. Mais, chose promis, il y aura un live. Il y aura un live sur Super Mario Maker 2. Voilà. Voilà, parce qu'on a fini niveau. Sur 2. Voilà, on a fini sur 2. Et on mettrait un 0 sur 20. 0 sur 20. Non, Super Mario Maker 2 sur 20. Super Mario Maker 2, oui, parfait. Voilà. Allez. Ciao. Tchuss. 'Café Gaming. Ici, on ne sert pas que du café, on parle jeux vidéo.